Pour d'autres, l'époque des premiers casses, les stats nous donnaient perdu d'avance, chômeurs longue durée, délinquants rebuts de leur douce souffrance. Les malentendus menaient les moins malins dans les méandres de l'aliénation. Néanmoins, la moiteur de nos immeubles a nourri en nous la crème de l'émancipation. Ghetto qualification, nombreux sont les chemins qui te font perdre la raison. Dans ce climat instable, les chefs de famille nous achetaient de beaux cartables, mettaient du pain sur la table, dans le but de faire de nous des gens respectables et raisonnables. Tu parles. Une fois livrés à nous-mêmes, nous rencontrions les mêmes problèmes. Qui croire? La Bible ou le Coran? Le père ou le prof? Le cœur ou la crosse? Je lâche ou je m'accroche. Quand chaque année croche, écorche l'amour propre de tes proches. À la moindre entorse, ce sont des flèches empoisonnées que tu décoches, décoches, décoches. Mais ici, tout autour de toi, les gens finalement meurent ou morflent. C'est que la situation délicatement se corse. Ceux qui croient et ceux qui cassent toujours. Les cœurs sanguignolants se sentent seuls dans leur tour. Certains prendront la route de leurs sentiments, d'autres feront des tas de détours. Ce contexte verra l'affrontement de deux écoles, celle des capotes et celle des guignols. Ces derniers ne se sentent plus très bien ou ont disparu de notre quotidien. À force de lutter contre la faim de chair et de pain, certains se mettent en situation d'échec rien qu'en tendant la main. Tu sais, on est africain, antillais, portugais, maghrébin, français, italien, mauricien, comorien. Et il paraît que nos ancêtres étaient des Gaulois. Très bien. Tous portions-nous des histoires différentes. On nous a mis dans un même moule pour qu'on dévale la pente. Par réflexe, aujourd'hui, on préfère les petits chemins qui serpentent. On sait que notre salut est près d'une grande porte, alors on se glisse dans une fente. Si le Vatican est innocent, nous aussi. Si vos guerres succèdent d'être traitées, alors on signe aussi. Si votre actuel président est un menteur, eh bien nous aussi. On juge la machine et sa courroie. Tu me crois, tout va mal jusqu'ici.
Aujourd'hui, quelques-uns d'entre nous réajustent leurs repères, écrivent des histoires, des poèmes ou disent des prières. Et nous passons par l'inévitable processus de verbalisation, indispensable à la progression dans l'élévation. Nombreux sont ceux qui n'ont pas conscience que le verbe est une arme blanche, une lance, qui n'a plus servir qu'à servir. Alors, si c'est pour être vizir à la place du vizir, pose ta plume triste cire, cesse de mentir. Je vois bien que personne ici ne veut de ton élixir. On nous voyait perdus. On nous voyait noyés, rincés, sans le sou, sans avenir. On nous voyait perdus. C'était bien mal nous connaître. Tu sais, la mauvaise graine.